Je m'appelle Alcine Issal, je suis le porte-parole de l'OGDAS. C'est avec beaucoup de préoccupation que nous suivons les restrictions, en tout cas que continue à subir Guinée-Matène. Et une situation, en tout cas, qui contraste avec les engagements internationaux de notre pays en matière de droits de l'homme, notamment avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Et en même temps, si vous prenez la charte de la transition, les articles 19 et 23 combinés garantissent également le droit à l'information, mais aussi le droit à la liberté d'expression. Donc nous condamnons toutes les formes de restrictions que subissent ces médias actuellement. Nous apportons toute notre solidarité à Guinée-Matin et nous demandons aux autorités nationales de veiller à ce que cette restriction soit levée pour que ce média puisse continuer à informer l'opinion publique conformément à ses obligations internationales.